Salut à tous, c'est Caspus. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le restaurant La Chouette d'Or. Donc La Chouette d'Or, hein, le restaurant qui va ouvrir au pied du rocher de Dabou, hein, pour l'instant dans la petite cabane qu'on voit loin. Et donc le fameux hôtel-restaurant qui avait pris feu en 2015, hein, et qui maintenant est en train d'être reconstruit et qui devrait rouvrir ses portes en septembre 2022. Donc là, on voit le côté de la façade avec la première pose des fenêtres qui a commencé. Hein. Bon, elles ne sont pas toutes mises, mais ça avance pas mal et le rocher devra avoir à nouveau le restaurant d'ouvert d'ici septembre 2022. Donc là, on voit la grue, ouais, tous les travaux qui sont autour. J'ai essayé de montrer pas mal d'images de. Bon, après, l'ancien petit restaurant, enfin l'ancien, le petit restaurant qui est en attendant, hein, avec derrière, oui, le grand restaurant qui va rouvrir. Voilà. Donc les travaux s'avancent pas mal, on voit l'ancienne image là du rocher, ce qu'il donnait. Et. On voit qu'il est différent, il n'y aura pas la petite baie vitrée tout le côté droit là, donc là voilà, l'intérieur en travaux toujours, mais on voit que ça avance pas mal là, le toit est déjà fait, enfin la façade, les fenêtres sont posées, l'intérieur, donc oui, de 2022, septembre 2022, hein, c'est ce qu'on m'a dit sur place aussi, les travaux devraient être finis, et donc le petit clin d'œil pour la Chouette d'Or et les 29 ans du jeu, et la Chouette d'Or, le restaurant qui devrait ouvrir ses portes aussi. Cette année, voilà, avec quelques petites vues du rocher de Dabo, évidemment, hein, chapelle Saint-Léon, la statue de Saint-Léon, une zone que je connais bien aussi. Voilà, donc avec un magnifique panorama, hein, et donc le restaurant, ouais, qui va rouvrir, ainsi que la boutique, hein, en bas, la boutique sera ouverte aussi en même temps. Et on pourra à nouveau venir manger dans le restaurant La Chouette d'Or, pied du rocher de Dabo en Moselle. Voilà, c'était les dernières nouvelles du rocher de Dabou et du restaurant La Chouette d'Or.